Bonjour à toutes, à tous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Dark Star Multi. Alors on est avec Vaval qui fait l'anglais. Bonjour Vaval. Et on est toujours avec Killer. J'ai du mal parce que d'habitude je l'appelle autrement, mais bon c'est pas grave. Donc Killer qui, qui joue l'Allemagne. Redak n'est toujours pas là et à mon avis il sera pas là avant que son pays soit complètement mort. Parce que là, je pense qu'il reste. On peut dire qu'il reste un tiers, un bon tiers de l'Amérique. Bon, c'est le tiers le plus industrialisé, mais c'est qu'un tiers. Donc voilà. Allez, j'appuie sur play. C'est pas t'exprimer. Je sais. Je fais pourtant un bon travail là-dessus. J'essaye. C'est déjà bien. Donc, promulguer la mobilisation partielle. J'ai réussi à souiller complètement mes troupes, moi. Bon, l'allemand n'empêche, sachant que tu m'avais dit que tu n'avais pas pris contrôle des nationalistes, tu vas les prendre. Bah. Je sais pas trop. Moi, je vais vite fait aller regarder les pertes infligées. Ou non, les pertes subies. Les pertes subies, c'est mieux. Alors, pertes subies par le monde entier. Donc, les premières plus grosses pertes, ce sont les États-Unis avec 502 000 hommes de morts. Le deuxième, c'est moi avec 228 000 hommes de morts. Donc j'ai la moitié des pertes des États-Unis. Normal, il s'est encerclé. Ouais, bah j'arrête pas de les encercler. Oh, retour Windows. Il aurait même pu avoir moins de pertes. Il aurait pu clairement avoir beaucoup moins de pertes parce qu'il a fait de la merde à certains endroits. Enfin, faut dire aussi qu'il coulait toutes ses troupes avec sa flotte, c'était beau. Hein. Et en troisième, c'est les nationalistes, n'est-ce pas? En troisième, je vais aller regarder vite fait. Parce que là j'avais des divisions qui venaient d'arriver. Donc selon les statistiques, en troisième c'est l'Abyssinie. What? Ouais. C'est l'Abyssinie avec 98 000 pertes. Et ensuite ce sont les partisans avec 90 000 pertes. Enfin 90 000. Pour dire. Ah ouais, bah la France elle a eu aussi. La France elle a pas beaucoup de pertes hein, normalement. Mais elle en a pas ici. Elle en a de base. Je pense. Alors voyons voir, ouais, la France elle a 3000 pertes, ça va. Ça doit être parce qu'ils ont pas assez de ravitaillement. La France c'est de la merde à ce niveau-là. Ah, voilà, ça c'est bien. De quoi? Nous avons financé des rebelles contre l'URSS en Leningrad. Ah, Leningrad, hein. Voilà. Franchement, que ça va se rébeller, moi je pense pas. Hein. Ah, moi non plus. La Pologne, Portugal m'offre de l'énergie contre de l'argent, mais allez vous faire foutre. J'essaie de m'arnaquer là, c'est quoi ça? Wow. Oh là là. Arnaque. Arnaque du siècle, ouais. Nos rages. Bah oui, non, je rage jamais, moi, ça se connaît. Ah, c'est à dormir, hein. Bah en même temps, toi pour le moment, faut dire que t'as pas vraiment de guerre. Enfin, si, t'as pas en Espagne. Pour l'instant. Pour l'instant, en fait, tu fais quoi, ils se touchent et tout. T'as même pas pris le contrôle des nationalistes espagnols. Mais non, ils se touchent. Parce que, enfin, là c'est fini pour les espagnols, hein, on peut clairement le voir. Ils ont plus rien. Bon. Ils ont encore 4, 7, 8... 8 et 9, ça fait 17. Allez, un petit navire, on va là-bas. 26, 27, 28, 29. Qu'est-ce qu'il compte, lui? Il compte le nombre de provinces, à mon avis, qu'il a réussi à prendre ou un truc dans le genre. Je sais pas trop ce qu'il compte. 24 nationalistes contre 45 républicains, t'es pas un peu dans le brin. Ouais, ça sert à rien de prendre le contrôle, vas-y, laisse-le faire. Il y avait plus d'épis maintenant. Mais les États-Unis, ils arrêtent pas de demander la paix. Je ne veux pas. Inadmissible. Oh putain, la plante de division, je les prends. Alors, exercer le contrôle militaire. Oui. Comme ça. Pourquoi? What? Mais j'ai exercé le contrôle militaire, c'est quoi ça? Rendez-moi le contrôle militaire, putain! L'arnaque! Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, j'ai les États-Unis, il y a moyen que je fasse des troupes rapidement moi-même. Par contre, du coup, j'ai ces troupes, pour moi, elles sont en pénurie là? Quoi? Ces troupes, elles sont même pas en pénurie de ravitaillement, fais chier, alors qu'elles sont bien encerclées. Les troupes de qui? Républicains, nationalistes, pardon. Alors.
toi aussi, je vais exercer ton contrôle militaire, là. Poum. Oh, je viens de gagner 5 divisions. Ouais. Cinq. Bravo. C'est mieux que rien, hein. Enfoiré. Ouais, ouais, c'est bien ça. Par contre, j'arrive pas à réorganiser le truc tant que c'est rempli. Ça me pète les couilles. Les coronets. Les coronets, ouais, t'as raison. Faut être poli avec la... J'ai envie d'attaquer, mais j'attends que mes troupes soient parfaites. Voilà. Ah, viens s'étirer un peu. Ouais, c'est vrai que ça fait du bien de s'étirer un peu. Mais là, j'ai pas trop envie de m'étirer parce que ça va me donner chaud, alors... Tu vas être en chaleur, le petit. Je le suis déjà. Tous les jours. Tous les jours, je me dis, putain de chaleur. Mais tu vas me laisser tranquille, oui. Ouais. D'accord, je te laisse tranquille. Tu m'as fait peur. Là-bas, il y a des, il y a un sous-marin espagnol nationaliste. Oh. Il va vite couler ce petit. Oh, mais qui c'est qui me pose? C'est le petit japonais. C'est moi, ouais, c'est parce que il y a, je dois réorganiser le Manchu parce qu'il s'est libéré lui-même de mon emprise. Et j'aime pas ça. Sinon, le petit japonais... Ouais, c'est vrai, le petit japonais, il est plus gros que ton pays, hein, là. J'ai un fantoche qui est pas mal, déjà. Le Manchuko, c'est quand même quelques divisions assez intéressantes. Et en plus de ça, j'ai le 3 quarts... Ouais, non, le 2 tiers, on va plutôt dire, des États-Unis. Ce qui est en soi pas mal du tout. Hein. Tout à fait. Et avec la capture des PP... J'ai plus de... Alors, ce qu'il y a ici, oh, c'est parti, on fait les garnisons. Il était temps. Ouais. En fait, elles sont dans ma file d'attente depuis tout à l'heure, en fait, pour ça. Ah ouais, toi, au fait, depuis là tout à l'heure, t'as pas vraiment monté en usine. Non, tu montes pas en usine. Bah, en fait, j'ai rétrogradé, parce qu'en avis, c'est la guerre entre les nationalistes et les républicains. Ouais, mais il y a autre chose aussi que j'ai remarqué. C'est que t'as pas l'air d'en produire, hein, parce que t'es toujours à 133 de base, là. Non, c'est parce que on est en 36, donc du coup, j'ai arrêté. Ah ouais, t'arrêtes en 36, toi. Ah ouais, pour aider le français. Ouais. Ouais, ça peut être logique, comme ça peut ne pas l'être. Mais bon. Mais oui, bah. Je suis pas quelqu'un de logique, moi, non plus. Je pense qu'on l'aura remarqué. Ouais. Allez... Moi je suis logique. J'ai donné masse, j'ai donné au moins une cinquantaine de ravitaillements journaliers aux Espagnols. ouais, tu vas rentrer en pignouille alors toi, hein. Non, c'est bon, j'en reproduis juste derrière. Enfin, faut dire que l'Espagne c'est bientôt fini, hein, la guerre, donc. Ouais, bah c'est parce qu'en fait, je leur donne masse ravitaillement à mes troupes. Est-ce que tu es au moins au courant que normalement la révolution espagnole elle était censée se finir en 1939, par avant? Je vais finir avant, moi, mon pote. Ouais. 1936, terminé. Au revoir, les gars. Merci d'être passé. J'ai tout à fait ça. C'était c'est gentil, dit. votre petite réunion, là. Faudra penser à faire autre chose, hein, de votre vie. Ou de votre mort, c'est comme vous voyez. Allez, les chars, on est de là-bas. On va attaquer là-bas. Oh putain, je suis à Houston et Dallas, quoi. Incroyable. Allez, les navires sont terminés. Ah ouais, tu crois que l'Américain a refait des navires? Non, je parlais des Espagnols. J'ai fini leur navire. Moi, ça m'intéresserait de savoir si l'Américain a refait des bateaux. Oh, il a repris le contrôle du canal de Panama, fait chier. Attention, il a un sous-marin. Deux navires d'escorte, 5 transports. Je crois que c'est pas grave, hein, ça. Ouais, je crois. Il a 20 divisions d'infanterie. Alors, vous allez faire le voyage, très long voyage, jusque là-bas. Anchorage. C'est pas précis. Par contre, j'aurai aussi un gros voyage. La campagne de diffamation lancée par Belgique à l'encontre de notre gouvernement a échoué. What? Ouais. Qu'est-ce que j'ai avec la Belgique, moi?
Là, moi, je vais faire ça. La Belgique en puissance. Permets que je t'en pratique ta plan. Ça fait chier, du coup. Oh, mais tu vas pas te commencer aussi, toi, au Royaume-Uni. Eh, t'as voulu me financer des rebelles, donc va te faire. Hein? T'avais voulu me financer des rebelles, donc. Ah bon? Ah bon, il s'en souvient même pas. C'est bizarre, on n'a pas informé de ça. Ton service secret sera en mode automatique? Non. Oh, moi je vais activer le truc automatique. Hein. Bah ouais. C'est bien de passer devant la France. Enfin, quoique, ça va me coûter de l'argent en fait, maintenant que j'y pense. Oh, bah ça peut être utile. Oui, le seul truc qui pourrait être bien, c'est qu'enfin je pourrais voir ce qu'ont les États-Unis. Oh, ben voilà, je peux voir ce qu'ont les États-Unis. 17 divisions, bah, ça va. 17, t'as trouvé toi? Ouais. Selon mon service d'espionnage qui n'est pas au top. T'as combien de pourcents d'efficacité? Mission à l'étranger, 43%. Ouais, bah t'as un petit peu plus. Non, mais je parle des États-Unis. Hein. Notre agence de renseignement fonctionne à environ. Tout en haut. Alors, voyons voir. Je vais vérifier ça tout de suite. Alors, il fonctionne à 6%. C'est de la merde. Ouais, tu fais 44%, fais-toi plus à moi. Il y en a 19. Ouais, 19, 17, je m'en fous. Hein. Ouais, dans tous les cas, ils sont battus. Ouais. Enfin, j'ai quand même perdu 3 divisions hein, depuis le début de la guerre. Il en a perdu combien? Une trentaine. Ouais, accepter, c'est gagné. Bon, je suis en train encore de faire de l'Espagne. L'Espagnol se fait encore violer. Tu m'étonnes. Pire. Ouais. Je vais conquérir un peu. Ils ont envoyé. Attends, t'as dit que t'allais conquérir? Ouais. Tu vas attaquer quelque chose? Bah oui, tu vas voir, gars. Fais pas trop de conneries, hein. J'espère que j'ai pas mis la guerre pour tous parce que la France elle risque de réagir. Si. tu déclares la guerre à qui? Trop tard. T'as déclaré les. Ah! Oh, quel connard! Il va aller débarquer en Espagne. Bah, t'es foutu là en tant qu'anglais, tu peux plus rien faire. Mais ça veut dire que tu vas hériter d'Espagne, ça, c'est un peu cheaté, non? L'Espagne actuellement elle est shootée. Ouais, mais c'est surtout qu'il y a la blinde de ressources en Espagne. Vous êtes à combien le temps là en fait? On est le 19 septembre 1936. J'ai bugué. Ah, okay. Je suis 18 septembre 1936 à 1h du matin. Alors il reste combien de temps pour cette première partie? Ouais, bah en fait, on va arrêter cette partie ici. N'hésitez pas à vous abonner pour voir la prochaine partie des vidéos de Darkest Hour multijoueur 3, saison numéro 2. Ah, j'ai réussi, ça y est. Donc, à plus pour d'autres vidéos. Voilà. Et j'espère que la conquête de l'Espagne sera un succès.